Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une vague tactile pour t'entraîner à tracer les vagues. Pour cela, tu as besoin d'un feutre, de 5 feuilles de couleurs différentes, d'une paire de ciseaux, de la colle, un long morceau de tissu ou de ficelle ou de corde et un couvercle. Alors, tu vas d'abord commencer à tracer un cercle. Alors, tu vas découper sur le contour, sur le cercle. Je te rappelle que c'est la main gauche qui va tourner, la main droite ne bouge pas. La main gauche entraîne la feuille. Le ciseau reste toujours loin de toi. Hop, donc quand la main est là-haut, je la redescends. Voilà. J'ai donc obtenu, non, pas un cercle, mais un disque. Je rappelle que le cercle, c'est le contour. Et le disque, c'est le contour et l'intérieur. Voilà, j'ai donc mon disque. Nous allons le plier comme ceci. Tu l'as déjà fait normalement. Une deuxième fois dans l'autre sens. Et quand tu l'ouvres, tu aperçois donc les pliures. Tu vas tracer sur les deux pliures. Et tu peux tracer un petit disque au milieu. On appelle le centre. Tu vas donc maintenant les découper et tu vas obtenir 4 morceaux que l'on appellera 4 quarts. Chaque morceau est un quart. Voici un quart, un deuxième quart, un troisième quart, un quatrième quart. Si je rassemble les 4 quarts, j'ai un disque. Allez, maintenant que tu as découpé tous tes disques, voilà, on va les positionner en commençant par la gauche. Et je vais prendre, alors au niveau des couleurs, tu prends ce que tu veux. Nous ne sommes pas sur le travail des couleurs. Tu vas resserrer 2 quarts de disque, comme ceci. Tu mets l'arrondi vers toi, d'accord? Maintenant, tu vas prendre 2 autres quarts et tu vas les positionner, non pas l'arrondi vers toi, mais devant toi, loin. Et tu vas positionner le premier quart sur le deuxième quart du premier. Voilà. Tu vois déjà un peu l'arrondi? Je continue. Je refais la même chose. Je resserre 2 quarts, l'arrondi vers toi. Et je positionne. Je prends 2 quarts, l'arrondi loin devant toi. Et je positionne. Et je continue, je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Voilà, rose, vert, donc tu peux continuer, etc., etc. Maintenant que tu as fait ça, tu vas prendre ton morceau de tissu. Voilà. Ah oui, alors avant, très important, il faut quand même coller les morceaux. Sinon, ils vont bouger. Donc, je mets juste un tout petit point de colle. Voilà. Pour que les quarts de disque ne bougent plus. Voilà. Alors, il faut bien, évidemment, serrer les quarts de disque. En dessous, j'ai une feuille noire. Donc, je ne dois pas voir le noir entre deux morceaux. Il faut toujours que ce soit bien serré. D'accord? Voilà, parfait. Hop. Toc. Attention. Voilà.
finit donc avec le bleu, le rose. Et je vais mettre encore mes deux verts. Voilà, pour aller le plus loin possible. Très bien. Maintenant qu'il ne bouge plus, tu vas pouvoir mettre ta laine, ta ficelle. Alors, tu vas commencer par la positionner sur le morceau de gauche, le plus à l'extérieur possible. Et tu vas essayer de faire, voilà, comme ceci. Tout simplement, tu vas faire une vague. Voilà. Alors, comme elle bouge, évidemment, c'est pareil. Tu vas pouvoir aussi essayer de coller. Voilà, je positionne. Alors, évidemment, c'est un petit peu plus long à coller, puisque c'est du tissu. Tu vois, tu mets un bon point de colle et tu poses. Un bon point de colle et tu poses. Hop, voilà, beaucoup de colle. Alors tu peux déjà mettre de la colle sur tout l'écart de disque, voilà, comme ceci, et ensuite tu n'auras plus qu'à mettre ta bande de tissu. Voilà, je pose, j'appuie, je pose, j'appuie. Voilà, alors ton tissu, tu as vu, évidemment, comme ça tourne, tu es obligé de le plier. Hein? Alors, si c'est de la laine, tu ne seras pas obligé de la plier puisqu'elle est ronde comme une corde et ça devrait être plus facile. Mais là, c'est pas très difficile non plus. Voilà, tout est en place. Maintenant, tu vas prendre ton doigt tout simplement et suivre le chemin du tissu vers toi, vers là-haut. Je descends, je monte, toc, et voilà, j'ai fini mes vagues. Tu peux recommencer avec un autre doigt, avec tous les doigts de ta main. Très bien, toc. Alors là, pour l'instant, je ne touche pas le tissu. Quand il sera bien, bien collé, tu pourras toucher le tissu, comme ceci. Maintenant, je le touche. Voilà, sans appuyer très fort pour ne pas qu'il se décolle. Et tu as des vagues tactiles. Voilà, amuse-toi bien.